tous, on repart pour une nouvelle vidéo cette semaine. Aujourd'hui on va vous présenter une Mini Cooper S, toujours à Flavien, donc on le retrouve aujourd'hui. Salut Flavien d'ailleurs. Salut à tous. Donc je vous la montre tout de suite. Donc là voilà, donc c'est les premières générations, ça deuxième génération, j'ai du mal avec les Mini à chaque fois. Deuxième des nouvelles du coup, parce qu'il y avait vraiment les anciennes qui étaient dans les années 90. Ouais. Après ça fait partie dans les années 2000 sur les R53 et après celle-ci. R56 c'est ça. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, la motorisation? Alors le fameux moteur N6 THP de chez Peugeot. D'accord. Donc 175 chevaux. Ouais. La voiture est de 2007. Pour l'instant d'origine. Pas de reprogrammation, rien de tout ça. Ouais, rien. Ça risque de venir par la suite, juste un petit stage 1. T'as pas une ligne dessus? Juste une suppression de silencieux. D'accord, ouais, c'est pour ça que je me disais tout à l'heure à péter un peu de bruit. On voit que tes étriers ont été peints en rouge. C'est d'origine ça, tu sais pas? Non, ça a été fait par la suite. Donc là pour l'instant on va dire full stock quoi, juste une suppression silencieuse. Bah, suppression de silencieux, vite teinté, ils étaient d'origine. Ouais. Donc quelques petits trucs, des autocollants par-ci par-là. D'accord. Donc c'est un gris ou c'est un noir, on sait pas trop. Non, c'est bleu. Ah, c'est un bleu. Voilà. D'accord, un bleu gris. Ouais. On a les riders du bled ici. Justement au départ je pensais qu'elle était noire et puis en regardant avec les numéros de châssis elle sort bleu, un bleu assez spécial. Ouais bah ouais, un bleu nu. On sait pas trop ouais, si c'est noir, gris foncé ou... Ça dépend des angles de vue, des fois on voit des reflets bleus, des fois pas. D'accord. Donc là on a bien toujours les petits rétro-chromés qui ressortent bien. Donc là t'as le toit avant ça, ouais, exact, le grand toit. La trappe à essence, pareil, chromé. Petit spoiler derrière. On nous rappelle bien que c'est vraiment une Cooper S. La bande est vraiment sympa là au milieu. Ouais, moi je l'ai acheté comme ça, ça a été posé par la suite. D'accord, ouais, ça donne sympa. Donc là on a les fonds anti-brouillard. Donc là ouais, c'est des bouchons que tu as rajouté. Hein. Voilà, juste un embout d'échappement. Ouais, histoire de faire plus sympa. Ouais. Pas de ligne à cras après à mettre. Non, ça fait déjà assez de bruit comme ça. Peut-être ouais. Par la suite un décata. Après, voir. Faut voir d'occasion, des fois ça vaut pas très cher. Ouais. Une ligne complète sur une Mini. Bah, après, pour l'instant, le bruit me satisfait. Ouais, bon, pendant que t'es. Donc là, les jantes, ça rentre pas mal en fait. Jantes d'origine, mais ouais, plutôt pas mal. Ouais. Tu te dis que sur d'autres voitures, ça le ferait pas du tout, mais sur la Mini, si on prend un peu de recul, ça rend vraiment pas mal. Ça a vraiment bien été pensé. Donc l'antenne ressort pas mal quoi. Malheureusement. Toujours, on a pas mal de petites touches de chrome. Hein. Là on voit les poignées, les rétros comme on a dit, les feux à l'arrière. Là pareil, la petite baguette. Le contour des vitres, c'est chromé ça aussi, ouais. Ça sur les aides du coup, avec le S. Ouais, là aussi, exact. Contour des phares, exact. Ça rend pas mal, toi sur certaines voitures, genre tu prends les BM, le chrome, ça t'as du mal. Après ouais, c'est un choix, beaucoup préfèrent tout noir, d'autres avec un peu de chrome. Là ça rend vraiment pas mal. Je sais que moi j'aime bien le chrome, ça change de tout le monde justement. Ouais. Faut que tout le monde passe le chrome en noir. Après ça dépend des voitures, c'est une voiture full plat, pourquoi pas. Une voiture un peu plus typée origine. Ouais non, là ça rend pas mal avec les bandes et tout. Tu peux nous ouvrir le capot qu'on regarde ce fameux 1.6 THP? Là, fini le capot qui se soulève par l'avant sur cette génération là. Ouais. Donc voilà. Enfin, le moteur qui consomme de l'huile. Et il consomme de l'huile du coup? Pas mal. D'accord. T'as pas eu de problème pour l'instant avec? Non, tu viens de l'acheter il y a pas très longtemps. Je viens de l'acheter il y a quoi? Il y a un mois et demi, donc pour l'instant ça va. Tu croises les doigts?
un petit peu. Tout le monde me l'a déconseillé, du coup j'ai pris le risque quand même parce que c'est vraiment ce que je voulais. Tu connais un peu les risques sur ce moteur là pour ceux qui voudraient en acheter une et qui ne connaissent pas du tout? Bah du coup conso d'huile, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tellement de maladies que je ne sais même plus. Cache plaque est parti. On est déjà passé sur. Non, je ne sais même plus c'est quoi les maladies là-dessus. Il n'y avait pas le turbo aussi qui dé... Bah, je pense pas le turbo là-dessus. Mais... Non, le turbo ça va encore. C'était pas la grosse maladie, c'était pas les chaînes de district. Si, voilà, c'est ça, ouais, chaînes de district qui cassent. Donc, bon, là-dessus, elle a été refaite il y a à peu près 30 000 km. Ouais, elle a été refaite, ouais. Donc, bon, logiquement, pas de risque. Tendeur de chaîne à faire tous les ans ou tous les 20 30 000. C'est toujours un plus pour éviter que ça casse. Ah, c'est vrai que c'est un peu chiant pour une chaîne de district, quoi. Ah, le plus embêtant, c'est surtout la conso d'huile. Il faut vraiment les regarder assez souvent. On tourne à plus ou moins 1 litre tous les 1000 km pour maxi. Ouais. Bon, écoute, tu peux nous ouvrir le coffre aussi? Ouais. Donc, le coffre, ouais, qui reste quand même sympa. Tout petit coffre. Ouais, mais bon, je pense que c'est assez pour cette voiture. Bah, j'ai mis une valise de taille normale. De travers, avec de travers. Parce qu'en hauteur, elle passe pas. Avec un petit sac de sport. Ouais, c'est des pleins. Bon, après, ouais, c'est bien, juste a... pour. Ouais, voilà, je t'en rabaisser, donc voilà. C'était deux, après, il y a besoin. C'était deux, ça le fait. Et bon, on a parlé de la conso d'huile, mais en termes d'essence, t'es sur du combien là? Un plein 400 km, ça fait 63 litres, donc on doit être dans les 15 litres à peu près. 15 litres en tirant. Ah, ça commence à faire un peu. En tirant beaucoup de ville avec ou? Que de la ville. Que de la ville. Que de la conduite un peu sport. Ah, bah avec la ville, forcément, ouais. Comme c'est une voiture qui est très typée karting, du coup, on n'a pas envie de rouler doucement. Quand madame l'apprend, elle arrive à faire 500-550 km. Et quand c'est déjà un peu mieux. Non, mais elle est vraiment sympa comme ça d'extérieur. C'est juste un peu dommage là qu'ils ont mis du plastique en bas. Bah, j'avais une ancienne, une R50 qui était du coup peint couleur carrosserie. Ouais. Tous les plastiques étaient passés en gris. Que je pense quelques-uns doivent connaître. Qui était venu sur un terrasso. Ouais, je me rappelle. Avec les deux bandes noires sur le capot. Ouais. Ouais, c'est juste le plastique en bas qui est un peu dommage. Bah là encore ça va, ça se fond du coup parce que la voiture est assez sombre. Ouais, mais tu prends une voiture blanche, tu vois, forcément là. Ouais. Couleur ça claire, fait... ça choque tout de suite. Ou même leur bleu clair, leur bleu un peu ciel ouais, en fait. Ouais, le clair, le bleu. Il y a deux ou trois bleus chez Mini, il y en a un qui est très très clair. Il y a celui-là et puis il y en a un autre. Hop, on l'a pas trop fait voir. On a le soleil en contre-jour, mais les bouches d'aération sont comme ça, toujours en rond. Là, on a toujours le compteur de vitesse au milieu. Donc, soit il y en a qui aiment, soit il y en a qui aiment pas. Pour toi, c'est quoi t'aimes ou... Ça change. Ouais, ça change. J'étais pas fan au départ, mais bon, à force de s'y faire, ça se fait. Ouais, voilà, celui-là, on a le contour. Mais c'est vrai qu'en roulant, tu prends l'habitude de regarder le. Ouais, bah après, il y en a qui peuvent mettre la SI, voilà. Du coup. La vitesse, ouais, tu viens de passer dessus. Bah, du coup, voilà, 9 litres 6 au 100. Ouais, ça se voit que c'est madame qui l'avait pris du coup toute la semaine. Et puis là, on a la vitesse digitale. Donc, c'est assez sobre, assez épuré. Donc là, ouais, on n'a pas précisé, on est en boîte manuelle. Elle existe en boîte auto, c'est ouais, ça existe. Ouais. Donc là, les commandes se présentent comme ceci, là, pour la ventilation. Donc là, les feux, là, ici. Du coup, anti-brouillard avant-arrière. D'accord, ça fait un peu avion quand même. Ouais, c'est le style qui m'a plu, c'est pour ça que je voulais ouais, ça fait cette voiture-là. Là, t'en as pour les toits au rond. Ça fait un peu style avion. Ouais. Et du coup, c'est pareil, t'as des lumières d'ambiance qui se mettent, bah là, du coup, on va pas trop voir, mais qui se mettent là au niveau des airbags. D'accord, sur le côté. Ouais, et puis au niveau
des poignées aussi. Donc là, lumière ambiance, mais bon, là on va pas les voir, faudrait faire ça de nuit. Donc l'arrière, hop. Bon, bah là, on est dedans, donc bah, je vais pas te mentir, ça c'est ma main, hein. Et bah, tu mets deux mains. Donc, c'est bon pour des personnes qui font 40 kilos, quoi. Ouais. Du coup, niveau confort là-dessus, on est plutôt moyen. Ouais, c'est un peu plus raide. Ça, tu te dis, toi, pour faire. C'est des voitures de ville et ils font des voitures super raides. Ouais. Que toi, t'aurais plus pensé au contraire, des voitures un peu plus souples et. Bah, pour la route, un peu plus raide. Sauf que là, on est en suspension d'origine, jante d'origine. Ouais, donc, ouais, déjà, tu vois, t'as pas mis de combiné, rien du tout. Donc... Bah, moi qui voulais la rabaisser, mais le problème, c'est que j'habite en ville, donc. Pour rentrer dans le garage, ça frotte. Donc, ouais, là, pour les vitres. C'est grâce. Ça va être déjà des cales pour élargir au niveau des jantes. Puis après peut-être des jantes en 18. En 18, ouais. Bah, avec la reprog, ouais, ça va pas trop changer. Donc. Ouais, non. Normalement, en stage 1, on prend 200-210 chevaux. Ce qui sera déjà un peu mieux. Je pense pareil pour la conso. Bah, la conso, sur un essence, quand tu fais une reprog, t'as tendance à augmenter. Ouais, je sais pas, on m'a toujours dit le contraire, c'est pour ça. Bah, sur les diesels, ouais, tu descends, mais sur un essence. Après, tu peux gagner un peu de couple, mais si t'as une conduite sportive, ouais, tu vas augmenter. La conso va augmenter. T'as un projet pour racheter une voiture? Pour l'instant non, je pense sûrement vendre la BM avant celle-là. D'accord. Et du coup, pour l'instant je sais pas trop encore. Ouais, donc celle-là tu la gardes, de toute façon c'est assez récent. Donc. Celle-là ouais, ça fait un mois que je l'ai, donc la garde encore un peu. T'es pas déçu pour l'instant? Non, ça va. Ouais. Parce que c'était la deuxième mini. Ouais, deuxième. Après la première c'était le Alit 615. Ah, ça doit quand même un peu déjà changer. Un petit peu. Un petit peu trop mou. Bah avec le temps, de toute façon, tout vient mou donc. Bah malgré que j'ai la BM, je me lasse pas de celle-là. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. On est pourtant pas sur la même puissance, mais. Après là-dessus, il y a la conduite qui est vraiment type carte. Donc. Ouais, c'est tu sens bien la route en fait. Ouais, voilà. Et pour un jeune permis, tu la conseilles? Ouais, franchement, ouais. Oui, celle-là. Bon, après 175 chevaux en jeune permis, c'est peut-être un peu délicat, mais. Bah écoute, ma copine a le permis depuis 8 mois. Ouais. Il n'y a pas eu de soucis pour l'assurer. En assurance, vous êtes sur du combien là? Là, on est sur du 600 à l'année. 600 à l'année, ouais, ça va, c'est assez raisonnable. Pour un jeune permis. Bah après, elle est en second conducteur, donc. Ouais, y a, ouais. Bon, tu prends un peu de bonus, mais. Et là, c'est toi qui en premier nom dessus? Ouais, j'ai pas le choix pour la mettre dessus, mais sinon, ouais, en second conducteur, il n'y a pas de problème en assurance. Ah, on entend bien quand même les retours. Ouais. Ça, contrairement à avant, ça change un peu quand même. Bah ouais, tu m'étonnes.
c'est une modif qui m'est pas revenue à cher. Donc, Ah, tu l'as fait chez qui? C'est un pote qui l'a fait, donc... Ouais, il a juste coupé et... Il a coupé, il a mis un tube, puis avec la sortie... Ouais, que t'as rajouté. Hein. Bah après ça, ouais, les sorties, il y en a qui vont t'incendier, parce qu'ils vont te dire, si tu veux une ligne Acra, t'achètes une ligne Acra. Ouais, bah ça, après on le sait, hein, les critiques... Bah après, je suis un petit peu de cet avis-là, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture. Ça sert à critiquer, les gens font ce qu'ils veulent avec leur véhicule, tout ça. Après voilà, c'est plus pour le style plutôt que comme ça. Non, bah pendant que de toute façon faut assumer, on sait. Pendant que tu dis ouais, j'ai mis ça, c'est pour le style, après. Bah voilà, t'assumes, le mec il peut te critiquer, tu fais bah écoute, j'ai assumé après. T'as des réseaux à partager? J'ai mon Facebook. Ouais. Donc Flavien LNV. D'accord, donc là je le mettrai juste en dessous. Ouais, et... je sais, ça se coupe pas mal dès qu'il y a un dodan. Et du coup, Snap aussi, c'est Flavien 6172. Ouais, tu mets pas mal tes voitures dessus. Quelques fois, ouais, je mets les rassos voitures, aussi, pas mal. Ouais. Les rassos, ouais. Plus les rassos plutôt qu'autre chose. Donc, bah ouais, à peu près une fois par mois, quoi. Ouais, c'est grosso modo. Bon, bah écoute, nickel. Bah écoute, je te remercie. Bah de rien, c'est avec puis, plaisir. Carrément. Et puis je te dis à plus tard pour une nouvelle voiture du coup. Y a pas de souci pour la dernière. Allez, salut à tous.